Les habitants de la capitale haïtienne tentent de se mettre à l'abri suite à la dernière vague de violence des camps. Oui, bonjour à tous. Alors, si vous voulez témoigner de quelque chose qui vous ravit ou quelque chose qui vous fâche ou autre chose, eh bien, contactez-moi sur mon site philippebuffon.org. D'autre part, maintenant, nous allons recevoir Maryse. Maryse, qui a été pendant 15 ans en Haïti. Elle a travaillé pour l'ambassade de France et pour l'ONU. Et nous allons également recevoir Jean qui nous parle d'Haïti. Il est dans une ville près de Port-au-Prince. Bonjour Jean, comment allez-vous? Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez vous? Bonjour Buffon, bonjour Marine, c'est vraiment un plaisir d'être avec vous cet après-midi. Donc, en fait, la situation dans mon pays va de mal en pire. Et étant donné que vous suivez l'actualité et vous pouvez voir la situation du pays sur vos différentes chaînes de télévision, donc la situation en Haïti n'est pas joyeuse, disons-le comme ça. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y a eu un coup d'État? Non, pas vraiment, mais le premier ministre Ariel Henry, qui était au pouvoir depuis environ 30 mois, il a remis sa démission et que, bon, sous l'influence, bien sûr, des États-Unis d'Amérique, eh bien, la CARICOM, avec le soutien des États-Unis d'Amérique, et sont en train de former un nouveau conseil présidentiel composé de 7 membres. Mais jusqu'à date, les 7 membres n'ont pas encore parvenu à trouver un accord pour diriger le pays. Donc, et tristement, je peux vous dire que le pays est en mode et pilotage automatique. Enfin, ça fait longtemps qu'il est en pilotage automatique, non? Bon, mais pas tout à fait, puisque, bien sûr que illégalement, de manière illégitime, mais on reconnaît quand bien même Ariel Henry comme premier ministre du pays. Mais maintenant, il a été démissionné. Et alors, qu'est-ce qui se passe dans la rue? Qu'est-ce qui est... il y a des vrais problèmes? Il y a les bandits qui ont tenté de prendre d'assaut certaines institutions publiques, par exemple les commissariats et l'aéroport international Toussaint Louverture. Donc, cette montée de la violence en Haïti, cette montée de la violence ont forcé le premier ministre Ariel Henry à démissionner. Mais avant même de continuer, je vais recadrer le narratif et sur Haïti, faisant croire que Haïti est un pays maudit au destin tragique, qui est condamné à la misère à cause de sa révolution de 1804 et par son caractère anticolonialiste, anti-esclavagiste, anti-raciste. Donc, je veux bien recadrer ce narratif. Eh bien, non. Il existe des périodes de l'histoire d'Haïti où il faisait beau de vivre sous le soleil haïtien, des périodes glorieuse, je vais le dire comme ça, et avec des dirigeants responsables qui ont contribué à la construction du pays vers les années 1946. Et à cette époque, le PIB d'Haïti dépassait celui de la République dominicaine, notre voisin d'à côté. Cependant, la descente aux enfers de la République d'Haïti depuis des décennies déjà a débuté avec l'ingérence flagrante des États-Unis dans les affaires intérieures d'Haïti à partir de 1991, empêchant ainsi les nationalistes d'accéder au pouvoir et favorisant par la même occasion l'accession au pouvoir des individus au passé douteux pour mieux leur contrôler, pour mieux vassaliser le pays. De plus, les multiples interventions de l'ONU en Haïti qui ne font qu'accentuer le malaise d'Haïti. Donc, je peux dire que la descente aux enfers d'Haïti est imputée principalement aux acteurs haïtiens qui n'ont pas su combattre les forces néfastes et deuxièmement,
aux ingérences françaises, américaines et aux différentes interventions de l'ONU en Canadienne. Haïti. Oui, Maryse, vous qui étiez en Haïti, vous pouvez confirmer ces propos? Mais disons que je suis d'accord avec Jean sur l'ingérence des États-Unis. Hein, il y a absolument aucun doute là-dessus, mais je me demande si ça ne date pas de plus loin, beaucoup plus loin que 1991. Et la France n'a pas effectivement, la France a été complice des États-Unis, mais les Canadiens également, ce que l'on appelle les trois pays amis. C'est-à-dire les États-Unis, la France et le Canada. Exactement. Hein? Moi, j'étais en Haïti au moment où Aristide a été élu et au moment où il y avait toutes les manifestations pour que la France rembourse Haïti de la dette de guerre, parce que ça a été un facteur important qui a vraiment empêché Haïti de s'étendre et de faire du commerce un petit peu partout, parce que le remboursement des intérêts de la dette était absolument énorme. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça. Oui, Jean. Mais bien sûr, l'ingérence des États-Unis d'Amérique ne date pas d'hier. Voilà. Et on a eu l'occupation américaine en Exactement. 1915, Oui. et que avec cette occupation qui va se terminer jusqu'en 1934. Mais après cette période d'occupation en Haïti, on a eu des leaders qui ont pensé et la reconstruction d'Haïti, notamment Dumas Estimé, Paul Eugène Magloire. Donc, ils ont commencé à redonner de l'espoir à cette terre de liberté. Mais avec la chute de la dictature des Duvaliers en 91 et l'élection de Jean-Bertrand Aristide et en 91, les États-Unis ont tout fait pour empêcher Aristide de fonctionner normalement, puisque Haïti était un anti-américain, puisque les intérêts des États-Unis d'Amérique, C'est dommage que... Aristide était considéré comme un président gauchiste. C'était un Oui. président de gauche. Eh bien, les États-Unis ont donné un embargo à la République d'Haïti sous le président Jean-Bertrand Aristide. Ils ont fomenté un coup d'État contre Aristide avec Guy La Philippe, complicité de la France. qu'on essaie effectivement avec la complicité de la France et du Canada. Et du Au Canada, même tout à fait, moment, nous comme sommes d'accord. vous venez de le J'ai les mentionner, documents, c'est à ce moment-là qui le que le prouvent. président, il y a ce moment-là, et Aristide était en train de réclamer, et disons-le comme ça, la double dette à la France. Eh bien, cette tentative gênait la France. Bien Et sûr. que la France, avec la complicité des États-Unis, ont tout fait pour éliminer, pour renverser le gouvernement Aristide du pouvoir. Alors, Absolument, nous sommes d'accord. Jean, quel est Il y a eu maintenant... une réunion, il y a eu une réunion qui s'est passée, je crois, au Canada, justement avec les Canadiens, les Américains et les Français, pour destituer Aristide. Exactement. Voilà. Alors, Maryse était à l'ambassade de Et France, donc elle connaît pas mal de choses. Hein? C'est ça? Vous étiez à oui, l'ambassade de France, Maryse. exactement. Et j'étais responsable des archives politiques. Donc, Eh bien, je crois qu'à l'époque également, Aristide, c'était à peu près en même temps, je crois, réclamait une augmentation des salaires des ouvriers qui fabriquaient les jeans pour les Américains. tout à fait, tout Hein? à fait. Eh bien, Voilà. avec la complicité des États-Unis,
de la France, du Canada et le secteur des affaires haïtiennes. Donc, ils ont Le groupe 10. fomenté un coup d'État, ils ont diabolisé le gouvernement d'Aristide. Depuis lors, le pays embourbe dans une spirale de corruption. Les États-Unis et font des ingérences flagrantes dans le pays. Ils viennent et ils mettent leurs hommes au pouvoir, donc avec des affaires de corruption au jour le jour. Eh bien, voilà le résultat. L'envoyé spécial de l'ONU en Haïti, Monsieur Daniel Foote, de 2021 à 2022, il a déclaré ceci. Il a dit, depuis 30 ans, après la chute des Duvaliers, il n'y a aucun dirigeant haïtien qui émane du peuple haïtien. Aucun dirigeant haïtien des dirigeants qui ont brigué le poste de président de la République, ce n'est jamais la volonté du peuple haïtien. Donc c'est toujours la volonté de le trio de l'enfer, je peux les nommer comme ça, les États-Unis, la France, le Canada. Alors, Jean, maintenant, à l'heure actuelle, pour vous, c'est toujours les États-Unis, la France et le Canada qui sont à la manœuvre? Mais bien sûr, la démarche à suivre en cas de vacances du président de la République. Par exemple, si le président de la République et de la France et venait à avoir un problème quelconque, donc il n'y aurait pas eu de tergiversation. De même qu'aux États-Unis, si le président des États-Unis a l'incapacité d'assurer ses fonctions, en cas de vacances du président des États-Unis, il y a des prévisions, des dispositions légales qui sont en place pour assurer la continuité de l'État. En Haïti aussi, il y a ça. Mais non, ils ont préféré de pactiser avec les dirigeants corrompus d'Haïti. Ils ont monté un conseil présidentiel à sept têtes, néanmoins que chaque représentant du conseil de sécurité, de ce conseil présidentiel accepte le déploiement de la force multinationale de l'ONU en Haïti. Des C'est tout Kenyans? simplement cette question de l'argent, parce qu'il y a environ 600 millions de dollars qui vont être débloqués pour cette force multinationale. Donc, c'est une condition sine qua non pour qu'il accepte leur candidature. Et bon, je peux le dire comme ça, au conseil présidentiel. Donc, c'est du cynisme évident, parce que la constitution du pays, dans son article 59, a clairement fait savoir, en cas de vacances du président de la République, il faut aller à la Cour de cassation. Pourquoi toute cette tergiversation? Où est l'espoir, Jean? En Haïti, on a eu maintes fois des interventions de l'ONU. Donc l'ONU est tout simplement intéressée par l'argent. En 2004, la MINUSTAH, qui sa mission est mission de l'ONU pour la stabilisation en Haïti. C'est bien beau le nom. En 2017, on a, je crois, la MINUJUST pour renforcer la justice haïtienne. Et en 2019, il y a la BINU, Bureau intégré des Nations Unies en Haïti. Et encore aujourd'hui, en 2024, ils nous veulent imposer une force multinationale de l'ONU. Mais pourquoi on gaspille tous ces argent, tous ces Alors, ça fonds sert à quelque en chose Haïti? ou pas? Quel Ça sert à résultat? rien. Ça sert à Ça sert rien, à quoi. rien. Ça sert à rien finalement. Mais on comprend bien que l'ONU est intéressée par l'argent, parce que les 600 millions de dollars, nous savons tous les trois comment cet argent et vont et ces argent, tous ces argent vont être dépensés. On sait bien avec des consultations d'experts d'ici aux Ouais, États-Unis, dans les donc, machines et que de l'ONU, les soldats qui vont venir oui. en Haïti vont tout simplement Affaire au toucher, salaire des
des agents de l'ONU, en fait. Ouais, des fonctionnaires. Oui, voilà. Exactement. Mais Maryse, vous, qu'est-ce que vous pensez de l'ONU? Une catastrophe. Pour moi, Dites-moi j'ai pourquoi, parce travaillé à que. l'ONU. J'ai travaillé pour l'ONU pendant 2 ans à la MINUSTAH. Oui, et alors? Dans la section justice. Oui. Et pour moi, c'est une catastrophe. Mais pourquoi? Pourquoi? Parce que on était supposé, alors, à part refaire le code pénal, le code civil, on était supposé s'occuper des dommages collatéraux, des gens qui avaient été tués par parce qu'ils se trouvaient sur des scènes de violence. Et je n'ai jamais vu une seule demande qui a été acceptée. On faisait venir les gens en permanence. Eux demandaient, je connais des gens qui sont restés dans les funérariums pendant 1 an, 2 ans, et il n'y avait pas d'accord de trouver, alors que ces gens avaient été blessés par les chars de l'ONU. Donc, je pense qu'il y aurait dû y avoir une compensation pour faire enterrer ces gens, pour donner de l'argent aux personnes qui vraiment se trouvaient démunies parce qu'ils avaient perdu un mari, un fils qui leur permettait de vivre. Donc, pour moi, c'est une catastrophe. Ça ne servait D'accord. absolument à rien. J'entendais les gens nantis d'Haïti qui disait, oh ben de toute façon, nous, l'ONU peut refaire le code comme il le veut à sa façon. On ne les écoutera pas. On reprendra notre ancien code. D'accord. Voilà, donc Ça c'est sert à rien. vraiment de l'argent perdu. Quand je voyais que les gens arrivaient en Haïti sans connaître réellement la situation du pays et qu'au bout de 3 mois, ils voulaient repartir, ça veut dire qu'il y avait d'abord pour venir une indemnité d'expatriation, une indemnité pour s'installer, le voyage et retour au bout de 3 mois. Je trouve ça scandaleux. Tout l'argent était dépensé par les fonctionnaires de l'ONU. Et l'argent n'était pas donné, donc, à Haïti. Absolument pas. Oui. Je n'ai jamais vu pendant les 2 ans où j'assistais aux réunions avec les gens qui étaient convoqués parce que, avec leurs avocats, parce que ils avaient eu un membre de leur famille assassiné, je n'ai jamais vu le règlement d'un problème, d'une plainte, jamais. Alors que légitimement, ces gens avaient le droit de recevoir des indemnités. Parce que les chars de l'ONU, c'était alors que les Haïtiens se battaient, eux, avec des cailloux, avec des choses. Bon, que pouvaient-ils faire contre des chars? C'est pas possible. Bon, elle a tout à fait raison. Jusqu'à présent, on a des missions de l'ONU en Haïti. Par exemple, il y a le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti, il y a la Moi, je n'ai jamais MINUSGIS. vu les conflits Bon. réglés par l'ONU. Jamais, jamais. Et je peux vous demander, en tant que une ancienne membre des Nations Unies, est-ce qu'il y a un pays dans le monde où il y avait une intervention de l'ONU et que on a un bon témoignage de cette organisation? Est-ce qu'il y a au moins Aucun. un bon témoignage de cette organisation? C'est simple, aucun. Que ce soit en Afrique, au Mali, avec la MINUSMA, au Burkina Faso, en Haïti. Donc finalement, comme je le dis au commencement de cet entretien, c'est que de cet échange, disons mieux, et l'ONU est intéressée tout simplement par l'argent. Donc ils vont forcer les pays les plus faibles à signer des contrats avec l'ONU parce que ils vont avoir beaucoup d'argent pour donner aux frais de les frais
les frais de consultation, les frais d'expertise, et des consultations sur consultations, et finalement, ils ne vont rien faire avec cet argent. Donc, c'est du gâchis, cette organisation-là. Donc, et cette organisation, je dois préciser, est sous l'influence des pays occidentaux. Il y a des pays du sud global qui veulent avoir leur mot à dire. Ils veulent créer un monde multipolaire où il y a d'autres pôles de pouvoir. Par exemple, à l'ONU, les membres permanents du Conseil de sécurité. Donc, c'est majoritairement, c'est les pays occidentaux, quoi. Oui. C'est la France, les États-Unis, bon, finalement. Donc, le leadership américain crée de la misère dans le monde. Le leadership américain tue. Donc, c'est pour cette raison, la majorité des pays émergents, des pays du sud global, tournent leur regard vers des pays comme la Chine, la Russie. Donc, on récoltera ce qu'on a semé. Les États-Unis, la France, le Canada, en gros l'Occident, ils ont semé la misère, le désespoir. Donc, c'est clair qu'en Afrique, en Haïti et dans d'autres pays, on n'en veut pas d'eux. C'est aussi simple que ça. Il y a beaucoup de personnels de l'ONU qui ont été renvoyés parce qu'ils étaient soupçonnés de viol, de... Bon, il se passait des tas de choses qui étaient inadmissibles. C'est vraiment grave. Il y a différentes interventions de l'ONU en Haïti. Il y a la MINUJUST qui doit renforcer la justice haïtienne. Et on voit bien en C'est Haïti, dommage. il n'y a pas de justice. Il n'y a pas de justice. Donc finalement, on se pose la question, pourquoi dépenser tout cet argent, tous ces fonds, tous ces argent pour rien? Donc, l'ONU, c'est une organisation désuète. Bon, c'est une organisation qui est à repenser. Ouais. À un moment donné, on va avoir une lueur d'espoir, une flamme, quelque part, ils vont. Et cette flamme, avec la jeunesse haïtienne, les adultes. Parce que moi, je pense franchement, le changement d'Haïti doit passer nécessairement par des individus honnêtes, crédibles et qui ont fait leur preuve en Haïti. Donc, en Haïti, il y a un vide, il y a un grand vide. Le peuple est aux abois des acteurs actuels. Maintenant, je pense que il va y avoir, à un moment donné, un ras-le-bol. La jeunesse haïtienne, avec des gens de partout dans le monde qui ont Haïti sur leur cœur, il va y avoir un mouvement révolutionnaire. Il va y avoir un autre 1804. Moi, je suis totalement convaincu que la situation ne peut pas perdurer. À chaque fois qu'on est arrivé à une situation critique, le système trouve toujours un moyen de renaître. Mais à un moment donné, il va y avoir un mouvement de rupture où on va terminer avec toutes ces choses, toute cette affaire de corruption, effectivement, pour délivrer le pays. Le problème, c'est que Haïti est très près des États-Unis, et donc c'est leur domaine, si je puis dire, géopolitique. Vous voyez? Et donc c'est ça le problème. Ça, c'est un vrai problème. Qu'est-ce que vous en pensez, Maryse, de tout ça? Oui, je pense que tant que les Américains soutiendront des élections pour des présidents qui ne sont pas voulus par le peuple, je pense que vous ne vous en sortirez pas, malheureusement.
Je pense que c'est ça. Il faudrait que vous ne soyez plus dépendant des États-Unis. Est-ce que vous avez une coopération avec les Américains comme il y avait avec la France? Si les États-Unis veulent que le système démocratique qui leur sont, et ce système démocratique qui leur sont chers, s'ils veulent qu'on continue avec le système démocratique, ils vont devoir et faire en sorte que c'est un système qui donne des résultats. C'est qu'il y a bien des pays qui sont dans le giron américain, qui sont sous l'influence des États-Unis d'Amérique et qui ont choisi une autre voie. Par exemple, il y a le Cuba. Le Cuba, avec le support de la Russie ou bien de l'Union soviétique d'alors, le Cuba a tenu tête et le Cuba de Fidel Castro a tenu tête aux États-Unis d'Amérique. Oui, Jean, mais Et récemment, c'est pas. on a le Venezuela et il y a le Nicaragua également. Et le Nicaragua nous a offert son aide pour combattre le gangstérisme en Haïti, mais on a rejeté d'un revers de main. Parce que c'est l'offre de Nicaragua, c'est du réel. Au moment où je vous parle, les gens ont besoin de vivre. Ils ont besoin de vaquer à leur activité. Ils ont besoin de marcher dans les rues de la capitale sans avoir de peur, sans être stressé. Parce qu'en Haïti, je l'ai dit dernièrement sur cette chaîne, on vit un stress quotidien. Aujourd'hui, on est vivant. Ça se pourrait que demain, on ne l'est plus. Jean, qui est derrière ces gangs? Bon, et comme je le disais tantôt, en Haïti, on a tendance à utiliser les gangs pour réprimer les manifestations de masse. Eh bien, parfois, le gouvernement utilise certaines factions des gangs. Parfois, c'est la bourgeoisie qui utilise les gangs. Mais une chose est sûre, c'est que les gangs n'ont jamais kidnappé un fils ou une fille de la bourgeoisie. Donc, les gangs n'ont jamais kidnappé ou tué un membre du gouvernement. Les gangs n'ont jamais rançonné les gens qui ont de l'argent. Donc, ces analyses nous permettent à comprendre mieux la situation. Mais les gangs appauvrissent et la classe moyenne et la diaspora haïtienne. Parce que lorsqu'on kidnappe un haïtien ou une haïtienne, donc on va demander à sa famille qui est aux États-Unis, au Canada, et d'envoyer de l'argent pour payer les différents gangs afin d'avoir sa libération. Donc c'est vraiment grave tout ça. Dites-moi, Jean, qu'est-ce que. Alors, je reviens au pays du BRICS. Qu'est-ce que vous en pensez donc? Eh bien, bon, je pense que l'avenir de ce monde repose sur les pays du BRICS. Les pays du BRICS ou bien du Sud global, et ils ont une autre vision des choses. Ils pensent que si vous développez, eux, ils vont avoir beaucoup plus d'argent. La Chine, par exemple, la Chine quoi? Dans le développement mutuel, avec des partenariats gagnant-gagnant, et en Afrique. C'est pour cette raison que on adore les entreprises chinoises et on est en train de chasser les entreprises occidentales. Et c'est la même chose en Haïti avec les pays du BRICS. Je pense que c'est une lueur d'espoir pour les pays émergents. Pour le monde. Et nous, en Haïti, nous sommes en retard. Et nous sommes en retard parce que le leadership américain nous empêche d'avoir des coopérations, de renforcer notre coopération avec les pays du BRICS. Mais avec le temps, un jour va venir où tout ça s'arrêtera. Espérons.
Espérons. Qu'est-ce que vous en pensez, Mario? Oui, mais je pense que ça va être très long, très très long. Moi, ce sont les Américains qui me gênent le plus dans comment dirais-je, dans cette façon de gérer Haïti finalement, parce que c'est eux qui décident de tout. C'est d'après tous les documents que j'avais, si vous voulez, c'était les Américains qui géraient en fait Haïti. Avec notre complicité, hein, c'est évident. À partir du moment où on est capable, nous, de garder des dictateurs en France, puisque, comment il s'appelle, votre dernier, Duvalier, il était bien caché en France. Ouais. Donc, on le protégeait. Alors, je ne vois pas, à partir du moment où les autres décident pour vous, je ne vois pas comment vous allez pouvoir vous en sortir. Pourtant, vous êtes arrivé à virer les Français en 1804, donc vous en êtes capable. On n'a pas le choix. Il nous faut une autre 1804. Il nous faut une autre bataille de Oui. Vertières. Et cette fois-ci, c'est contre Bien l'Empire sûr. occidental. Donc, et ça va venir. Ça va venir. C'est pas un espoir parce que on dit que l'espoir fait vivre, mais parfois, il faut Parce que les forcer le changement. Haïtiens en sont vraiment capables. Ce sont des gens courageux. Jean, est-ce qu'il y a vraiment un mouvement dans ce sens-là, Haïti? Est-ce que beaucoup de gens pensent comme vous? Oui, effectivement, il y a beaucoup de jeunes, il y a beaucoup de vieux qui pensent de la même manière que moi. Et en 2016, on a tenté de renverser le système avec le fameux mouvement Pétro-Caribé. Il y avait de très grandes vagues de mobilisation populaire, de mobilisation de masse à l'encontre du système. Mais étant donné que le système qui est en place est extrêmement intelligent, ils ont infiltré le mouvement et résultat, donc rien n'a été fait. Mais on a appris des choses passées, on a appris des mouvements passés. Et aujourd'hui, si nous allons faire un autre mouvement, on ne va pas commettre les mêmes erreurs. D'accord. Bon, bah écoute, je vous remercie à tous les deux. À très bientôt à tous les deux. D'accord? Ok. Bonne Merci. soirée. Bonne soirée, Marise. Bonne Bonsoir, soirée à vous. bonsoir Jean. Merci, c'est moi qui vous remercie pour cette opportunité. Merci. Salut, Jean. Salut, Marise. Salut.